Salut à tous, c'est Angel038 et c'est Cédric X9. Salut Cédric. Salut à tous. Putain, mais je rip à chaque fois que je lance cette intro. Ouais, C'est une catastrophe. Bon, alors on se retrouve sur la course sur le circuit d'Inde pour laquelle les qualifications ont été moyennes. On a réussi à amener les voitures en Q3, mais Cédric ayant pris une pénalité à cause d'une petite erreur pendant les essais libres, il va partir à la 20e place. exactement. Donc grosse galère pour lui pour cette course, en espérant Bah, quand que... on connaît l'IA, ouais, ça va être la grosse galère parce que bah, pour doubler c'est compliqué parce qu'il nous voit pas. Il va falloir Donc après clairement utiliser le DRS. ouais, utiliser le KERS, le DRS, il va falloir arriver à bondir dans les premiers virages, dans les petits trous de souris qui vont s'offrir à toi. Ouais, surtout qu'on sait que le championnat est plutôt serré et que bon bah là ça sent vraiment la fin des espoirs, hein, puisque Ouais, c'est vrai que c'est... Hilton part en pole, il me semble, et Ouais, mais on n'est pas à pas l'abri beaucoup d'une de temps. défaillance du pilote anglais, on sait pas encore, hein. La course n'est pas faite. Hein. Ouais, ça risque d'être compliqué avec cette Mercedes complètement chiquée en course en plus. Puis Alonso aussi qui est costaud cette saison là, et Ouais. ça va être bouillant, ça va être bouillant. Bah... Stratégie pour moi, je pars en décalé total hein, avec les primes, et puis je m'arrête au 9e tour Ouais, pour pas je perdre pense du que temps c'est ce qu'il y a de mieux à faire. C'est vrai que par rapport à cet opus de fin 2013, c'est vrai qu'on avait l'impression qu'il y avait trois pilotes qui étaient au-dessus du lot. C'était Alonso, Vettel et Hamilton à cette époque-là. C'est les seuls qui ont fait les plus gros chronos sur ces qualifs-là et tout le long de la saison quasiment. Hein. Ah, complètement, ouais. C'est vrai qu'il n'y a eu aucun autre pilote devant, mis à part l'Allemagne où ça a lagué énormément, mais sinon, c'est un peu la cata. Eh ben, on part à côté de Jules. Salut Jules. Ouais, pensez à lui. Je prends un départ là. Patinage artistique. Tant que c'est que des connes. Bon allez, je vais essayer de travailler pour toi. Combien es-tu? Parce qu'on s'est concentré pendant ce départ là. Je suis en tête. Au coude à coude avec Hamilton, même roue en roue, je dirais. Je vais tâcher de bloquer au maximum le pilote britannique. Encore une fois, je le touche. J'ai touché ça. Je prends une pénalité. Ah, j'ai touché sa roue arrière là dans le. Mais Là c'était là, pas ouais, volontaire. il est à l'arrêt. Il est à l'arrêt, j'ai failli percuter aussi. Hein. Ah là 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 là. Grossière erreur de ma part. Alors que tu es premier alors. Ouais, je suis premier. Ouais, je suis premier. Et en fait, dans la première courbe à gauche, là, après la grande ligne droite, là, en fait, on était roue dans roue, hein, tout simplement. Et ce qui s'est passé, c'est que eh bien, j'ai touché Oui. sa roue arrière. Et Là du tu coup, il rentres. est. Ouais, je rentre dans les stands pour aller effectuer ma pénalité. Et donc oui, j'ai touché sa roue arrière, il est parti à l'extérieur de la piste et du coup pénalité pour moi, hein. J'ai rien pu Ouais. faire. Hein. Bah ça se fait. Oh là là, mais les mecs. Du coup je préfère faire ma pénalité tout de suite, ce qui me permet de revenir tout de suite derrière, voilà, en queue de peloton. Je serai pas C'est trop pénalisé du une coup. invention cette IA. Ouais, je suis 7e actuellement, mais je sais pas comment je fais pour éviter les quilles depuis tout à l'heure. Je joue au bowling, hein. Bon, j'avais réussi un plutôt bon départ, et puis finalement, les Alors, tu as rôles passé s'inversent. Hamilton. Parfait. Mon sacrifice n'aura pas été vain. J'ai un bon rythme de course, hein, étonnamment. Personne ne part réellement. Hein.
sent la victoire de Nando, tout ça. Hein. Nando qui se battait avec Vettel, hein, d'ailleurs. Ah, peut-être ça serait plus judicieux, Sébastien, hein, sur ce point. Oui, par rapport au point, ça serait quand même plus intéressant. Sachant qu'il n'y a que Sébastien qui a gagné ici. Hein. En 3 éditions, il n'y a que lui qui a gagné. Hein. Oh là là, qu'est-ce que je conduis mal. Là, je viens de m'embarquer avec Bottas. Heureusement, j'ai pas eu de pénalité, mais enfin, on s'est accroché les roues encore. Les Williams qui sont passés à côté des qualifs, ou alors qu'ils sont foirés au départ, hein, parce qu'elles sont. Elles sont loin, elles sont aux dernières places. La Williams de 2013 est catastrophique. Oui, mais enfin, à ce point-là. C'est-à-dire que là. Ah non, j'ai rien fait là sur ce coup-là. La Chilton, j'étais derrière lui, il est allé se foutre dans le bac à gravier, résultat des courses, pénalité. Allez, rebolote, deuxième draft through. Et on recommencerait pas la course là. Oh, franchement, c'est abusé. Bon, parce que là, deux pénalités, j'aime autant te dire que c'est même pas la peine, je vais faire quoi là. Ah, y'en a un qui est au sommet, y'en a un qui est pas du tout quoi. Je dirais quoi, y'en a un qui a évité toutes les galères, y'en a un qui les a toutes prises. C'est vrai que c'est. Au vu de la situation et du championnat, je dirais qu'on continue quand même là. Je suis derrière les deux McLaren, moi. C'est le jeu de Perez. Ok. Bon, bah, je passe par les stands. Je prends la quatrième place. J'étais juste dans les échappements de la Marussia, je crois que c'était Bianchi d'ailleurs, merde. J'étais dans les échappements de la Marussia et je l'ai vu aller dans le bac à gravier, tout seul comme un grand, alors j'ai pas compris. Ouais, c'est moi qui ai pris la pénalité quoi. Et alors que moi j'ai rien touché, j'ai eu un avertissement, alors d'habitude ils en donnent jamais. Hein. L'évolution des gommes. Hein. Ah, moi j'y suis plus du tout là, je suis plus dans l'herbe que sur la piste. Je pense que les viewers regarderont ta course, hein. C'est pas la peine que je leur fasse voir ce que j'ai fait. Alonso n'est plus là en plus. Hein. Il y a Vettel, Rosberg et Weber. Je suis juste derrière eux. En fait, tu es combien actuellement? 21ème. D'ailleurs, je vais peut-être pas tarder à me faire doubler par la Marussia de Bianchi parce que j'y suis plus du tout là. L'hébergeur à chaque fois quand même qui prend le compte à chaque fois. Tu maintiens un rythme de course, c'est bien.
Moi qui pensais avoir une belle course avec des beaux combats et tout ça, mais là ça fait chier. Hein. Putain, je m'emmerde là. Putain, ouais, ça serait bien. En cas de Vettel et Rosberg, je me retrouve derrière Weber, donc hein, la deuxième place. Je vais retarder au maximum l'arrêt. La côte avec Weber et je le passe. Première place. Et bah c'est parfait. Dis-toi que là il y a de gros points à jouer, donc pour ta course, faut l'assurer, ça va bien se passer. On va voir comment on ressort par rapport à Vettel aussi. On peut faire l'undercut. Elle est un peu longue, ouais. Tu en es où, toi, là? 22ème. Allez, deux drive through. Puis... Alors que Vettel repasse. Non, puis après, t'as plus envie, quoi. T'as juste envie, c'est que ça s'arrête. Donc tu fais toutes les conneries possibles imaginables, tu conduis plus. Là, je me fais semer par Bianchi. Là. Il a 12 secondes d'avance. 12 secondes d'avance, Bianchi? Ouais. Et du coup, elle essuie les arrêts au stand, tu ressors. Troisième. Ouais, c'est pas mal. C'est jouable. Ça va être chaud, mais c'est jouable.
Chauffe un peu, je sais pas combien il est. Je sais pas du tout. Je dépasse Rosberg et je vais tenter de reprendre la Red Bull. Ouais, les monoplaces qui sont pas pareilles en qualif et en course. Je pense que tu vas être en mode attaque pure, parce que si on t'entend pas, c'est que tu dois être en la chasse du Vettel. Vettel est dans la ligne de mire. Je vais pas te déconcentrer. Et Rosberg tient la barre des 1 seconde derrière moi aussi. Le numéro de carburant. Il maintient un gap, hein. Il maintient le gap. Attends, tu améliores les chronos du meilleur retour.
se jouer vraiment dans les derniers kilomètres. Les pneus qui commencent déjà à tomber. Et on rentre dans le 13e tour. Je me rapproche de Vettel dangereusement, mais... On va retenter une attaque à grand coup de DRS. Il y a peut-être un freinage plus tardif. Une seconde 5. Je me méfie parce que je tape dans les gommes un petit peu tout. Je les allume même. Et j'attends le dernier tour pour tenter le maximum avec l'essence. Hein, parce que, alors que l'on est dans l'avant-dernier tour. Ouais, ça serait risque de tomber en panne. Ouais. L'attaque suicidaire, j'ai pas envie de la faire parce que... Ah, j'ai coupé le freinage. En l'évitant, hein. Ah dommage, mais bon, c'est bien. Bien. En partant à la 20ème place. Je suis éventé là en plus, c'est pas la peine. Ah, il y aurait une dernière attaque quand même. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est dommage. Oh. Ah, Sébastien Vettel qui gagne la course, c'était bien joué, hein. T'as fait tout ce que t'as pu. Heureusement il n'y avait pas de dernier tour, c'est... Franchement la vidéo sera magnifique. Hein. Parce que grosse baston quoi. Ah bah au moins il y aura ça. Puis je te revaudrai ça la prochaine fois. Hein. L'occasion était tellement belle que je peux pas la laisser passer celle-là. Oh mais y a aucun souci, alors moi j'ai plus de pneus. Quel dommage, je me suis planté en fait au freinage dans le dernier tour. Mais en voulant l'éviter justement.
Voilà, c'est fait. Fin du calvaire. Fin du calvaire, ouais. Parce que je viens juste de doubler Bianchi là, juste avant de dépasser la ligne de départ arrivée. Ah oui, à ce moment-là. Ah ouais, d'accord, ça peut être, dur. Ah ouais, non, non, les pneus qui se sont effondrés extrêmement vite, des pénalités qui tombent, enfin voilà, c'est Ouais, je terriblement crois qu'il frustrant et... y a un souci avec l'hébergeur quand même, hein, je pense. Hein. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois, ça tombe sur toi. Et je sais que j'ai eu un avertissement, hein, parce que j'ai touché l'arrière à je sais plus qui en début de course, vous le reverrez. Ah, je reconnais que la première que j'ai prise, elle était méritée, hein, parce que j'ai complètement poussé Hamilton, j'ai touché sa roue, bon, en même temps, on était dans un virage, ma voiture était survireuse, je l'ai embarquée, et, bon, voilà. Mais c'était totalement justifié. Autant la deuxième fois, là, sur Bianchi, j'avoue ne pas comprendre ce qui s'est passé. J'étais dans les échappements de la Marussia, mais voilà, j'ai pas eu l'impression de le toucher pour le pousser à l'extérieur, quoi. Et Ouais, en c'est bien plus... dommage en tout cas. Quand on le voit faire, on le voit aller tout... enfin, arrêter de tourner les roues et il va tout droit dans le bac à gravier, quoi. Donc Ouais, bon, c'est enfin voilà. dingue. Bon. Donc Sébastien Vettel qui gagne ben, de peu, hein, à 3 dixièmes, parce que tu as quand même mené une belle chasse. En partant Ouais. 20e, tu as fait une sacrée remontée, ça te fait 18 points à mettre dans l'escarcelle, contre 8 points seulement pour Hamilton qui finit 6e. Ça fait bien reprendre 10 points, surtout C'est que c'est une pas bonne fini. opération, hein, il faut le souligner. Nico Rosberg, lui, est beaucoup plus loin derrière, hein, puisqu'il est à 5 secondes 2. Après, on retrouve Mark Webber, Felipe Massa, bon, donc Lewis Hamilton, Jenson Button, Gutiérrez, Hülkenberg, Alonso, 10e, alors qu'un petit point quand même. Après, on retrouve Pérez, Adrian Sutil, Vergne, Di Resta, Ricciardo, Maldonado, Van der Garde, Bottas, Chilton, Pic, bah, moi-même et Jules Bianchi. Donc on va voir le classement du championnat du monde des pilotes. Alors le classement du championnat du monde des pilotes. Donc les Hamilton est toujours en tête avec 244 points. Tu es deuxième avec 229 points. Donc il y a encore deux courses à faire, hein, et il y a encore des points à prendre. Hamilton Non, peut faire des erreurs. trois courses Trois à faire. courses, pardon, oui, parce Même qu'on a pas. Yas Marina, le Brésil Les Amériques. et les Amériques, enfin dans le désordre, parce que c'est Yas Marina, États-Unis et le Brésil. Et 75 points à prendre encore. Hein. Ouais, donc tout est possible encore. Alonso est un peu plus loin avec 198 points, qui est talonné par Vettel. Massa est 5e, Rosberg 6e, Webber 7e, Button est 8e, je suis 9e, hein. Là, je dégringole complètement dans le classement, là du coup. J'espère marquer des points dans les prochaines courses, histoire de remonter un petit peu, peut-être reprendre une place à Button. Ah, c'est une bonne Weber, j'y idée. crois pas trop. Faudrait pas qu'il marque deux points en fait. Donc, Ah, Button, c'est jouable. Button, c'est jouable. Ouais. Après, derrière moi, on retrouve Hülkenberg, Pérez, Di Resta, Sutil, Gutiérrez, Vergne, Ricciardo, Maldonado, Bottas, Van der Garde, et c'est le dernier pilote qui a marqué des points. Au championnat du monde des constructeurs, bah Mercedes assoit son avance sur le classement, puisqu'ils ont marqué des points tous les deux, hein, sur cette course. 383 points pour l'écurie Mercedes. Ferrari, 340 points. Eux aussi ont marqué des points tous les deux. Grâce à toi, l'écurie Lotus est encore troisième avec 296 points. Mais attention derrière, hein, Red Bull Ah, revient c'est avec rien, hein. 4 points de retard. Hein, c'est pas grand-chose. Donc il va falloir que j'assure les dernières courses parce que sinon on va se faire bouffer. Et puis après derrière, beaucoup plus loin, là on est assez tranquille. On a l'écurie Mercedes, McLaren, Sauber, n'en parlons pas, hein, Force India, Toro Rosso, et puis Williams qui a marqué 16 points, Caterham qui a marqué un point, et Marussia qui n'en a pas marqué un seul depuis le début de la saison. Voilà, du coup ce week-end de Grand Prix se termine. Le retour de la coop, j'espère que ça vous a fait plaisir. Bah nous, ça nous a fait plaisir de rejouer un petit peu à F1 2013 puis se retrouver dans la coop. C'est Ça clair. faisait un moment. Bon, bah, le Grand Prix, vous allez avoir, vous avez eu un beau Grand Prix de la vue de Cédric. Hein, c'est une fois n'est pas coutume, puisque c'est vrai que ce qui est, on n'a pas eu beaucoup de sa vue C'est clair, au long de la depuis le début de saison. la coop. Et du coup, pour une première de Cédric sur PC,
vous allez avoir un son et image qui va être de toute beauté. Voilà, on espère que ça vous plaît toujours. On ne sait pas encore ce qu'on va faire après fin 2013 parce que fin 2014, on va essayer d'étudier ce qu'on peut faire, si on peut faire une coop, s'il y a moyen de s'arranger pour faire quelque chose. Ouais. Ce qui est sûr, c'est qu'avec le nouvel opus, on fera rien en coop. Ouais, parce que non, c'est pas possible. Voilà, donc voilà, on n'a pas trop de solutions. On va y réfléchir, mais on trouvera de quoi Un moyen, ouais. Vous donner du grain à moudre. En tout cas, on vous souhaite de bonnes vacances si vous êtes en vacances. On vous dit à très bientôt pour la suite de notre coop, nos aventures respectives. Toi, le WEC, peut-être sur Project Ouais. Cars, et puis moi, F1 2014 qui va bientôt arriver à sa fin aussi. Et puis d'autres choses encore. Donc, on vous dit à très bientôt sur la chaîne. Un petit pouce bleu si ça vous a plu, et partagez. Et puis, on vous dit à bientôt. Allez, salut à tous. Salut à tous.